Descendendo leis, pronto eu não, do vil de vir o velório, é não, o velhês, é de uá, é de lente, do vicendente no corrente, de vileus, o vilhos caia, de vil, amacendendendendo os corros etnês, de vileis, to feltes como está, amacendendendendo leis,
corazón.
dit un jour que chaque note doit peser 20 tonnes. C'est vrai. Est-ce que c'est ce qui arrive en ce moment? Enfin, c'est une question un peu stupide, parce que, à mon avis, c'est ce qui est arrivé depuis longtemps. Oui. Mais elle a, disons que c'est plus. Elle a été pensée 20 tonnes, mais pas toujours réalisée. Ouais. Alors que là, on va essayer de réaliser ça, s'approcher du concret. Quant à la nouvelle musique, on en a parlé, je voulais dire que il y a le magma sur scène et le magma à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chez moi, qui ont écouté cette musique toute simple, avec un piano et un chant, qui m'ont dit pourquoi on sent pas cette chaleur sur scène. Parce qu'il est difficile de multiplier une énergie par 9. C'est pas un piano plus une basse plus une guitare qui forme plus d'énergie. Mais quelquefois, ça retire selon que la musique n'est pas assez modulée et travaillée, l'articulation n'est pas assez travaillée. Ce qui fait qu'on en avait plus intérêt avant, en fait, à jouer avec un piano. Cette nouvelle formation qui existe maintenant, il y a des personnages dedans, il y a une nouvelle musique qui est proposée. Est-ce que tu penses que la réaction des gens va changer par rapport à Magma? Parce qu'il y a eu... Il y a eu un tas d'histoires, on a dit souvent que Magma était mort. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, oui. Est-ce que qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que je tu peux répondre que à ça? Les morts ont ressuscité, alors. Et non, mais je peux dire que les gens qui ont compris Magma profondément depuis le début il n'y aura rien de changé pour eux. Ouais. Je pense qu'il y aura un problème pour les gens qui n'avaient pas compris le fond. Ouais. C'est tout. C'est exactement la même musique, mais ouverte, c'est-à-dire simplifiée dans le sens donc rythmique. Tu as joué par exemple hier soir avec John McLaughlin, oui. Et Stu Goldberg. Est-ce oui. que tu aimerais faire quelque chose avec des gens comme ça? J'ai beaucoup aimé le pianiste Stu Goldberg. Et j'ai l'impression qu'il y avait énormément de richesse dans sa culture musicale. Quand tu m'as parlé de Stu Goldberg tout à l'heure, tu m'as parlé de lui comme d'un musicien. Tu m'as donné à peu près la définition du musicien pour toi. Si tu pouvais le... Un musicien allumé. Je pense qu'il est en transe chaque seconde. Et que j'avais l'impression... Depuis longtemps, j'avais l'impression qu'il y avait des cloches dans sa tête. Qu'il y avait un carillon. Et ça, c'était vraiment beau. Chaque note, il était habité. C'est ce qu'il faut pour jouer la musique. Il n'y a pas un instant de relâchement. Mettez la vie dans chaque note. Jamais. Toujours la conscience de la note, la responsabilité. C'est pas la dignité seulement, c'est prendre une responsabilité quand on joue une note, assumer la note. C'est tout. Ben c'est ça, Christian Vander. On a dit que Magma n'était pas. On a dit que Magma n'était pas. Ce n'est pas. On a dit que Magma n'était pas. On a dit que Magma n'était pas. Ce n'est pas. On a dit que Magma n'était pas. Tu as dit que Magma n'était pas. Ce n'est pas.